Bonsoir messieurs dames, alors ce soir nous sommes dans le cours 325 d'art dramatique et ce soir on va faire un vrai cours d'art dramatique. Alors, un vrai cours d'art dramatique, il y a plusieurs pistes. On va parler de l'ego de l'acteur et de l'assurance de l'acteur en quelque sorte. Allons-y. Alors, l'ego de l'acteur, l'ego de l'acteur, l'ego. L'ego, l'ego, l'ego. Alors, l'ego. L'ego, c'est une, comment je peux dire? Quand j'ai commencé à jouer la comédie, je ne savais pas ce que c'était. L'ego de l'acteur, je pensais que c'était l'ambition de l'acteur, le fait de vouloir être célèbre, de vouloir être bien devant la caméra, enfin. Je pensais que c'était ça l'acteur, l'ego de l'acteur. Or, dit-il en anglais, l'ego de l'acteur, c'est pas tout à fait ça. L'ego, c'est quelque chose de personnel. C'est vraiment ce qui touche à soi, au plus profond de soi. L'ego, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail et tout ça, et le monde et tout ce qu'on peut faire devant une caméra, ça n'a rien à voir. L'ego, c'est quelque chose qu'on porte en soi, au plus profond de soi. Et donc, la plupart du temps, on est inconscient de notre propre ego. L'ego, c'est comment je pourrais dire? C'est quand vous voyez, vous voulez vivre, vous voulez exister, vous voulez profiter de la vie, vous voulez avoir ce qu'il y a de plus beau, vous voulez vous payer une belle femme, payer une belle voiture, avoir un beau travail. Tout ce qui touche au plus profond de l'estime de soi. C'est ça l'ego. Et l'ego, c'est merveilleux. C'est ce qui fait tourner le monde. Hein. C'est ce qui fait avancer les hommes. Les hommes ont beaucoup d'ego. Moi, je veux être empereur. Moi, je veux être président. Moi, je veux être... etc. etc. Ça, tout ça, c'est de l'ego. Pourquoi je dis ça? Parce que le métier de comédien ne fait pas bon ménage avec l'ego. Pas du tout. Malheureusement, on ne peut pas se défaire de son ego. Très difficile. Comment se défaire d'un ego qui nous habite? L'ego, il nous tient par là. L'ego, il nous tient bien. Mais
Quand, par exemple, on veut jouer la comédie, bizarrement, il faut se défaire de son ego pour pouvoir jouer quelque chose à la caméra. Bien sûr, ça n'est pas évident. C'est pas quelque chose de visible. Mais je vais vous donner un exemple. Si par exemple, pour faire rire mon public, il faut que je me ridiculise. Il faut que je me ridiculise. Pour servir mon public, il faut que j'abandonne mes prétentions d'empereur, de mégalomane. Sinon, je vais être un acteur, empereur, un acteur mégalomane. Ça peut servir la scène. Mais on va toujours être dans ce genre de personnage, dictateur, etc. On ne va pas incarner la multiplicité de la comédie. Par exemple, je jouais la pièce de Courteline. La peur des coups, le personnage principal, c'est quelqu'un qui a peur des coups. C'est un froussard. Seulement, il ne veut pas l'avouer à sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'invente des raisons pour lesquelles il évite le danger. C'est là où ça devient comique. Et sa femme, elle le pousse à bout pour démontrer au public que c'est un froussard. Et lui, chaque fois, il essaye de trouver une raison quelconque pour dire que non, je ne suis pas un froussard. Mais chaque fois qu'il est adossé au pied du mur, il trouve aussi une raison pour fuir, pour s'escamoter. Parce qu'il a peur. Il a peur des coups. Pour jouer quelqu'un de froussard. Lorsque j'ai interprété ce rôle il y a 30 ans, à peu près, je ne pouvais pas me voir en froussard. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais jouer un rôle de quelqu'un de froussard. Parce que tout simplement, je n'ai peur de rien. Moi, je n'ai peur de rien. Vraiment, je vous le dis, j'ai peur de rien. Je suis obligé de me freiner, vous voyez, pour pas faire des drames. Je suis obligé d'avoir une sagesse extraordinaire pour me maîtriser parce que je n'ai peur de rien. Sauf de la bêtise. La bêtise, ça me fait très peur. Quand je vois les types bête et stupide, qui engage une guerre dans laquelle il ne peut pas y avoir de gagnant, ça m'effraie, ça m'effraie. Quand les types ils te disent il faut aller combattre un ennemi qui n'est pas un ennemi et qui vous disent que c'est un ennemi, je suis stupéfait par la bêtise humaine. Mais bon, ça, on en reparlera. Donc, pour interpréter un froussard, que quelqu'un qui n'a peur de rien ne peut pas interpréter un froussard à l'écran, ça serait le déshonneur complet. Donc, il faut se défaire de son ego. L'ego mis par terre, il ne reste plus que la capacité de s'exprimer sur scène
Avec le plaisir d'être un imbécile, le plaisir d'incarner un imbécile, le plaisir d'incarner un personnage stupide, le plaisir, le grand plaisir même. Pourquoi le plaisir? Parce que on jubile à la place du spectateur. Le comédien a une double vision du jeu. Ce qu'il interprète, ce que j'interprète là en ce moment, c'est par rapport à vous qui êtes derrière l'écran. Je suis toujours en miroir. Et donc, mon plaisir à moi, c'est de rendre le téléspectateur meilleur. C'est ça mon objectif, ma puissance, c'est mon objectif principal, c'est de rendre le téléspectateur meilleur, quitte à me rendre stupide. Ma stupidité n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est le spectateur. Donc, comment se défaire de cet ego qui est surdimensionné chez l'homme? L'ego de l'homme, il est... L'homme, il veut aller sur la Lune. Maintenant, il veut aller sur Mars. Il veut même habiter à Mars. Mais vous vous rendez compte, la crétinité. Sur Mars, il y a moins 300 degrés de chaleur. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. Et les types, ils veulent habiter sur Mars. Et ils mettent des milliards pour aller là-bas. Mais est-ce que il leur manque pas un boulon quand même quelque part, hein? Alors que la Terre, elle est pas belle, la Terre. Ils préfèrent polluer la Terre et s'en aller. Des fous furieux. Les fous furieux, on est dirigé par des fous furieux. Parce que qui c'est qui dirige le monde? Ce sont les riches. C'est les riches qui dirigent ce monde, hein, vous le savez. Si ce monde y va mal, c'est bien parce qu'il y a des riches qui ne prennent pas soin de la planète, puisque ce sont eux qui dirigent le monde. Pourquoi ne prennent-ils pas soin de la planète? Parce qu'ils ont un ego démesuré. Eux, pour eux, ils pensent qu'ils vont prendre la navette pour aller sur la Lune, pour aller sur Mars, ou pour aller dans une propriété dénuée. En dehors du monde, ils vivent. Ils vivent dans leur bulle. Les riches, ils vivent dans leur bulle. Et dans leur bulle, évidemment, il n'y a pas de place pour les êtres humains. Bon, enfin. C'est pour ça que je fais un cours sur l'ego, pour vous dire pourquoi l'ego est si mauvais. Est si mauvais à l'être humain. Pour moi, il était très mauvais. C'était la cause de tous mes malheurs. Mais oui, quand vous voulez quelque chose, votre ego désire, voyez, en permanence des choses, mais vous ne pouvez pas vous le payer. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes malheureux. Alors que si vous n'avez pas d'ego, vous vous en fichez. Et vous êtes heureux. Enfin, c'est simpliste, mais c'est pas tout à fait ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Ça, ce serait un peu les dingos qui seraient comme ça. Il faut pas être dingo non plus. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et alors là, il faut toute une stratégie de comportement. Parce que l'objet que vous ne pouvez pas avoir par la force de votre ego, vous pouvez l'obtenir différemment, par la subtilité. Et ça, c'est tout l'art de la comédie. Oui, parce que le comédien,
obtient sur scène. La scène est le même. Vous comprenez bien qu'un comédien, c'est quelqu'un qui crée quelque chose en direct, mais qu'il crée quelque chose qu'il a voulu. Donc, il obtient quelque chose qui lui appartient. Autrement dit, par exemple, ce que moi je veux obtenir avec vous, c'est que vous soyez heureux. Oui, parce que je vois actuellement les gens sont très malheureux. C'est une fatalité, c'est, comment je dirais, une maladie de notre époque. Les gens sont très malheureux. Donc, il s'agit pour les comédiens de les rendre heureux. Comment vous rendre heureux? Ce serait le titre de mon cours 325 d'art dramatique. Comment rendre mes téléspectateurs heureux? Donc, premièrement, se débarrasser de l'ego et secondement, avoir une stratégie. Une stratégie pour obtenir ce que votre ego ne peut pas obtenir. Par exemple, vous voulez n'importe quoi dans la vie, tout ce que vous voulez d'ailleurs. Choisissez dans le monde ce qui vous plaît. Ben, vous avez une stratégie pour l'obtenir. Et si vous ne l'obtenez pas, vous vous en fichez puisque vous n'avez pas d'ego. Mais tout de même, faites l'expérience, essayez d'obtenir des petites choses sans avoir trop d'ambition. Vous pouvez obtenir de petits résultats, vous voyez? Des tout petits résultats. Tout petits, petits, petits. Alors, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, hein. Parce que ça a ni queue ni tête, ce cours, il a ni queue ni tête. Disons que déjà, l'ego, c'est un gros morceau. C'est un très gros morceau. Pour se défaire de l'ego, il faut arriver à comprendre que dans la vie, on n'obtient pas les choses. On n'est pas là pour obtenir ce à quoi on aspire dans notre tête. C'est-à-dire, ce n'est pas vouloir qui compte. Comme souvent on entend, si tu le veux, tu l'auras. J'ai jamais vu rien de pire que cette phrase. Toute ma vie, j'ai réfléchi, je veux ça, alors je vais l'avoir. Je veux ça, je veux l'avoir. Je veux ça, je veux l'avoir. Mais ça conduit à une absurdité. Total, total, parce que vous n'avez plus aucune limite. Et ce qu'il faut plutôt, c'est penser que justement, la volonté est à bannir.
Il ne faut plus vouloir les choses, justement. Le fait, pourquoi ne plus les vouloir? Parce que ça, il faut se rendre compte que vouloir quelque chose, c'est injuste. C'est injuste. Vous obligez les gens à accepter ce que vous voulez. C'est injuste. Vous obligez votre communauté à subir vos propres caprices, ce qui est terriblement égoïste. Ça fait partie d'un phénomène dont il faut se débarrasser. L'égoïsme et l'ego, c'est un peu le même mot, d'ailleurs ça vient du deux mots égo, égoïste. Vous voyez, c'est l'ego qui permet d'être égoïste. Donc, se débarrasser de l'égoïsme et penser plutôt aux autres, à ce qu'ils aimeraient dans la vie. Se dévouer pour les autres, se dévouer pour le monde, de façon à ne plus avoir d'ego, un peu comme Mère Teresa, une femme extraordinaire sur tout rapport, elle s'était débarrassée de son ego pour se dévouer à la communauté. Et elle a été très heureuse, Mère Teresa. Très, très heureuse. Une des femmes les plus heureuses, les plus libres sur la terre. Parce qu'elle n'avait plus la volonté de se dire, je veux le prince charmant, je veux une belle maison, je veux une belle voiture, je veux un beau travail, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Le comédien, c'est quelqu'un qui se dévoue au public, se dévoue aux autres. Parce que le comédien qui travaille pour lui-même, c'est pas tellement intéressant. C'est pas intéressant même du tout, du tout, du tout. Et donc, comment se débarrasser de cet ego? On peut s'en débarrasser quand on arrive à abolir en soi l'égoïsme. Pourquoi on l'abolit? Parce que justement, on a la volonté d'être social. La volonté d'être social, c'est la volonté de ne plus être égoïste. Alors, vu comme ça fait un peu prêcheur d'église, ça fait un peu religieux, tout ça. Mais la religion, les religieux sont sur la bonne voie. Maintenant, il s'agit de mettre en place une stratégie justement pour obtenir ce qu'on veut, non pas par le je veux, mais par autre chose. C'est plus le je veux cet objet qui compte, c'est la stratégie mise en place qui va vous rapporter. C'est un peu comme le paysan, il cultive son champ, il met en place une stratégie et ensuite il récolte ce qu'il a obtenu. Mais il n'a pas dit je veux. Vous voyez? Parce que s'il a dit je veux, il sera malheureux. Ce sera jamais comme il veut. La vie ne se passe jamais comme on veut. Ça se passe d'après une intelligence. Il faut mettre en place, par exemple, vous voyez? Bon, j'allais dire je veux. Je veux jouer de cet instrument. Bon, ben il ne faut pas dire ça, parce que si je me disais, moi, je veux jouer de cet instrument, je vais être très malheureux, je ne sais pas en jouer. Donc, il faut que je mette en place une stratégie pour apprendre à jouer, et il va en sortir quelque chose.
Il va en sortir de la musique, d'après ça. Mais ce ne sera pas la musique que moi je veux. Je n'ai aucune volonté sur ce qui va sortir de l'instrument. Ce sera un rapport de mon apprentissage qui va en sortir un son. Et ce son, il va être magnifique. Parce que ce que je souhaite, c'est d'avoir un son magnifique. Un son magnifique par rapport à cet instrument, ce qu'il va me donner par rapport à ce que je vais jouer. Mais je le souhaite sans le vouloir. C'est paradoxal. Mais la nuance, elle est fine. Elle est fine, mais c'est toute la différence entre un musicien heureux et malheureux. Un musicien malheureux va être toujours très très perfectionniste et ne sera jamais, il n'atteindra jamais la perfection de ce qu'il veut. Tandis qu'un musicien aléatoire se contentera des notes qu'il obtient et il sera très heureux. C'est l'instrument qui m'a donné ces trois notes. C'est pas moi qui ai voulu. Et si vous vous contentez de toujours tout ce que vous avez, vous êtes perpétuellement heureux dans la vie. Parce que vous êtes toujours en adaptation. L'adaptation du monde. Vous vous adaptez dans une stratégie. Parce que pour l'adaptation, il faut une. Comme là, pour jouer de l'instrument, il me faut une stratégie. Il faut que je l'accroche, il faut que je le mette, il faut que je me consacre quelques heures à cet instrument. C'est ça la stratégie. Mais je n'ai aucune volonté par rapport à l'instrument. Je le laisse jouer les notes qu'il va me donner. Je sais qu'il va s'améliorer tout seul. Il va éclore. Le comédien, c'est pareil. Quand il joue devant une caméra, il éclot un personnage. Il ne veut rien donner. C'est le personnage qui va tout seul se réaliser devant la caméra. Ce n'est pas une dictature, c'est un mécanisme, une transformation naturelle. Ce n'est pas une transformation, c'est une mise en scène qui se fait toute seule devant la caméra, par rapport à une technique apprise, par rapport à une technique, une stratégie de jeu. Derrière tout ça, il y a une grosse stratégie. Mais je ne peux pas tout aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle juste de l'ego, parce que l'ego, c'est le fondateur pilier sur lequel le comédien se bute. Pendant au moins, j'ai dû me buter sur l'ego pendant au moins 15 ans, avant d'arriver à un peu le mettre de côté, parce que l'ego est trop fort. On a tous un ego trop fort. Dès qu'on est petit, on fait des caprices, on veut ceci, on veut cela, on veut les plus beaux jouets, on veut, etc., etc. Ça n'en finit pas, l'ego, il est perpétuel. Donc, pour essayer de le mettre de côté, c'est un gros travail. Ça, c'est une bagarre. C'est ma bagarre la plus féroce que j'ai livrée avec moi-même. Ah oui, vous allez en enfer là. Là, il faut aller en enfer pour arriver à se débarrasser de l'ego. Parce que même en enfer, l'ego, il va vous dire, mais dehors, le soleil, il brille. Hein? Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce cours. Il est tard. Je vous dis à bientôt. Au revoir. J'espère que ça vous a plu.